le duc et la duchesse de Sussex ne feront pas le voyage pour cette grande occasion. Samedi 17 juin, tout le Royaume-Uni se réunira pour la journée du Trooping the Colour, cette traditionnelle célébration de l'anniversaire du souverain, quelle que soit sa date de naissance. Pour cette journée en son honneur, le roi Charles III a décidé de ne pas inviter son fils cadet le prince Harry et sa belle-fille Meghan Markle, comme l'ont dévoilé le Daily Mail. Je crains que cela ne soit le résultat de l'état de leur relation, indique une source de nos confrères britanniques. Cette journée du 17 juin prochain sera donc historique à double titre. Ce sera la première fois que Charles III sera célébré durant le Trooping the Colour, puisqu'il est devenu souverain le 8 septembre 2022. Mais ce sera également la toute première fois que le prince Harry sera aux abonnés absents. En effet, la défunte reine Elisabeth II avait pris soin d'inviter son petit-fils et Meghan Markle en juin 2022, malgré les divisions qui séparaient déjà les Sussex du reste de la famille royale britannique. L'année 2022 mouvementée de Meghan Markle et Harry en image, le prince Harry écarté malgré sa présence à Londres à l'inverse de son petit frère, le prince William est lui en pleine répétition pour préparer cette grande journée du Trooping the Colour. En effet, le fils aîné du roi d'Angleterre doit prendre part à la traditionnelle parade militaire qui accompagne cette célébration du souverain chaque année depuis plus de 260 ans. Autour du prince William, ce sont pas mal de 400 soldats, 200 chevaux et 400 musiciens qui rendront hommage à Charles III. Le prince Harry pourrait être présent à Londres durant le Trooping the Colour, bien qu'il n'ait pas été invité. Il est en effet en plein procès contre le groupe de presse qui édite The Daily Mirror, une bataille judiciaire qui l'oblige à faire de fréquents allers-retours entre la Californie et le Royaume-Uni. Débuté le 9 mai dernier, ce premier procès d'une série est censé durer 7 semaines. Crédit photo, agence.